Chercher ailleurs. Tu veux que j'aille parler à une femme pour qui je n'ai pas de sentiment? C'est toi que j'aime. Celui qui l'a enlevé aurait pu nous gâter le mariage comme ça. Sur ce coup, nous avons été un peu chanceux. J'espère qu'il n'est pas arrivé jusqu'au grenier. Je n'ai pas pu lui résister pour longtemps. Nous n'allons pas t'assister dans l'organisation de la célébration de cette histoire. Ferme ta sale gueule! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de moi quand on va t'entendre crier? Que je te viole? Mais tu es ma femme, madame! C'est toi que je venais voir comme ça. J'ai l'impression que tu t'en vas. Oui. Je vais, comme à la tradition en Brousse, visiter mes pièges. Tu seras pour le mariage tout à l'heure. De quel mariage encore? Le mariage de Ngassa, c'est aujourd'hui. Oh! Que Dieu soit témoin. Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas? Comment ça, qu'est-ce que tu as à foutre, Kamga? Elimbi, approche-toi. Mets-toi un peu à ma place. Réfléchis un instant. Imagine-toi à ma place, aller t'asseoir pour regarder la femme que tu as embrassée profondément au régime de l'amour, aux épices de l'amour vrai. La femme que tu as aimé véritablement. Ngassa est mon premier amour. La femme avec qui tu as fait l'amour chaque jour. Veux-tu que j'aille m'asseoir pour la regarder prendre un engagement officiel devant les hommes, hein? Avec un autre homme. Est-ce que tu en es capable? Que j'aille m'asseoir, hein? Les regarder se marier. Pourquoi pas? Mon prince, tu dois te grand dans la tête. Oui, ton histoire avec Ngassa, c'est désormais du passé. Ma chérie, d'ici quelques heures, tu seras Madame Wilson. Et nous allons cesser de nous voir. Jamen, pourquoi tu dis ça? Je ne t'apprends rien, Ngassa. Tu sais très bien que les traditions de Sokoundé interdisent aux filles célibataires d'avoir pour amis les femmes mariées. Pourtant, j'aurai toujours besoin de toi et d'Elimbi également. Peut-être avec Elimbi, vous allez renouer vos relations. Parce qu'elle aussi va se marier avec Kamga bientôt. Dans ce cas, trouve-toi un gars et nous allons continuer d'être des amis puisque nous serons toutes mariées. Ngassa, je vais aller m'accrocher sur le cou d'un homme pour qu'il m'épouse. Je ne te comprends pas, Njami. Je ne t'ai jamais vu avec un garçon dans ce village. Si les garçons ne me font pas la cour, je vais faire comment? Pardon, laisse tomber.
Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de te rendre belle. C'est quand même le plus beau jour de ta vie. Je t'ai dit. Tu dois tourner cette page pour ouvrir résolument celle d'un amour plus profond, plus grand et plus robuste avec moi. Oui, Kamga, avec moi, la femme dont le destin a choisi pour te rendre heureux. Nous devons aller à ce mariage pour montrer aux uns et aux autres combien nous nous aimons. Oui, et dans les prochains jours, nous allons nous marier. Devant Dieu et devant les hommes. Kamga. Spécialement, est-ce que nous allons nous marier bientôt? Je te promets de m'y rendre avec toi. Merci beaucoup, Kamga, merci. Merci. Tu ne connais plus mon nom, Carlos. À quoi me servirait ton nom maintenant? Je voudrais te rappeler que tu as 4 jours, c'est-à-dire jusqu'à samedi à 13h, pour libérer mon domicile. C'est un ordre du procureur de la République. Tu m'avais donc menti. Mentir est un exercice dans lequel tu es imbattable. Tu l'as peut-être oublié? Ce que je t'avais dit relevait d'une promesse que tu m'as obligé à retirer aujourd'hui. Mais c'est pas bien grave. Mon ami Georges va sans doute t'épouser, te loger et même te faire don d'une maison. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vous souhaiter bonne chance. Ma chérie, il faut que je m'assure que tu seras la plus belle de ce village aujourd'hui. Merci pour la coiffure, gamin. J'ai dit bonjour à l'heureuse mariée. Bonjour, Valentin. On m'a dit que tu souhaitais me rencontrer. Oui, Valentin. C'est par rapport à la cérémonie liée à mon mariage. Mon mari veut que tu sois l'impresario. Seigneur Marie-Joseph. Moi, l'impresario. Oui. Mon mari dit qu'il ne veut pas que n'importe qui tienne le micro. Ngassa, tu sais très bien que je n'ai jamais été impresario de ma vie. Et j'ai honte de me tenir devant une foule qui a le jeu fixé sur moi et parler. Ngassa,
Wilson a porté son choix sur Valentin. Bien sûr. Il veut gâter sa fête ou quoi? En tout cas, je vais essayer. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je te fais confiance, Valentin. Mon mari n'a pas tort de porter son choix sur toi. Je meurs d'envie de voir Valentin se produire au micro. Comme c'est un défi, je vais le relever. Tu auras honte. Laisse-moi d'abord, je pars réviser mon français. Je vais vous produire ce que vous n'avez jamais vu dans ce village. Comptez sur moi. Ne t'en faites pas, hein. Tu auras honte. Jeannette! Jeannette! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? J'apporte le nécessaire pour la cuisine, madame. Bien. Va me nettoyer le boucan. Je vais m'y installer. Ensuite, monte dans ma chambre. Tu prends tout ce qu'il y a comme linge sale. Tu me les laves. Madame, j'avais prévu faire la lessive plutôt demain. Quoi? Mais attends. Tu n'es pas là pour décider à quelle heure tu vas faire ci ou ça. Tu es bien payé pour exécuter les ordres que je te donne, non? Mais, madame, vous me demandez de faire plusieurs choses à la fois. Je ne vais quand même pas me diviser. La cuisine est là et m'attend. Bientôt, le patron sera de retour à la maison. Le patron sera de retour à la maison. Et puis quoi encore? Tu es bien payé pour faire ce que je te demande de faire, non? Oui, madame. Et alors? Va vite faire ce que je te demande. Je vais à la cérémonie de mariage. Le mariage de Ngassa. Oui. Le mariage entre Ngassa et Wilson se célèbre aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a en Jomo? Non, pourquoi, Jomo? Ouais, ne sois pas triste. Pourquoi? Jomo, tu veux te marier? Avoir des enfants? Avec un beau mari? Merde. Bon, tu sais, viens, on part d'abord. Allons quand même voir ce qui se passe là-bas. Viens, viens, on part. Viens, oui, viens, viens, on part. Ouais, Njomo. Mesdames et messieurs, honorables invités, soyez les bienvenus à la célébration du mariage de notre frère, notre connaissance, Wilson Ngassa. Le couple est heureux de partager en votre compagnie les moments les plus précieux de leur vie. Sans plus tarder, je vais annoncer l'arrivée du représentant du chef du village, Sokonde, qui est le notable Mitumba. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Je vous en prie.
Notre âme. Tu pars où? Assois-toi, tu me tiens compagnie. Tu n'es pas gay. Si je suis pas gay, c'est à cause de ta ménagère. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu t'en rends compte? Je lui donne des ordres, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle préfère faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. Jeannette! Jeannette! Oui, monsieur. Jeannette, tu veux continuer à travailler avec moi dans cette maison ou pas? Bien sûr que je veux travailler, monsieur. Mais pourquoi tu désobéis à madame? Calme-toi, chérie. C'est vrai, ça m'embête, mais je la comprends. J'ai constaté qu'elle a beaucoup de tâches dans cette maison. Et elle ne peut les faire efficacement toute seule. Mais c'est bien pour ça qu'on la paye, non? Tu as raison. Mais elle ne peut faire toute seule le travail de plusieurs personnes. Je suggère que nous recrutions quelqu'un d'autre pour l'assister dans ses tâches. Ainsi, elle s'occupera uniquement de la cuisine. Tu as raison. Jeannette, je te confie la tâche de chercher quelqu'un avec qui tu vas désormais travailler dans cette maison. C'est clair? Oui, monsieur. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Bon, chérie, tu me retrouves dans la chambre, non? Ok. Mon plan marche. Eh bien, comme le représentant du chef est déjà parmi nous, nous allons attaquer immédiatement le vif du sujet. À l'instant même, je vais annoncer l'arrivée de l'une des stars du jour. J'ai nommé Wilson. Distingué invité, gratifié, l'instant dit ovationné pour Wilson. Appréciez-vous l'élégance de l'homme? Il est dans une tenue majestueuse, une tenue qu'on voit qu'à la télé. Installez-vous la star. Ainsi l'honneur d'annoncer l'arrivée ici, la pluie éclatant, beauté du village, Sukunde, Ngassa, que voici Ngassa, fais du bruit pour Ngassa. Eh bien, maintenant comme les mariés sont déjà parmi nous, je vais passer la parole au représentant du chef
pour unir ceci au nom de nos traditions. Donc, Carlos t'avait menti. Il m'a pris dans son piège comme si j'étais une vraie bête de somme. Il te mentait seulement qu'il avait mis les papiers de la maison en ton nom. Georges, il a fabriqué un faux document qui n'avait aucune valeur légale. C'était juste pour me bluffer. Il faut t'assurer si le monsieur qui t'a présenté comme notaire là n'est pas un escroc par hasard. Hein? Non, Georges. Carlos lui-même a retrouvé chez l'homme de loi qui m'a dit que monsieur le procureur de la République a décidé que je quitte la maison samedi au plus tard à 13h. Mon Dieu. Dernier délai. C'est pas possible ça. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Georges? Je suis perdue. Vraiment, il faut avouer que ce Carlos est vraiment quelqu'un d'imprévisible. Sur ce coup, il m'a vraiment rendu ridicule. Non, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Ce qui reste à faire, c'est que tu viendras t'installer chez moi. Bien. Comme le veut la tradition, on ne peut pas unir un couple sans auparavant s'assurer si les membres de ce couple s'aiment vraiment. Alors, mademoiselle Ngassa et monsieur Wilson, levez-vous s'il vous plaît. Noya. Levez. Bien. Mademoiselle Ngassa, si tu aimes vraiment Wilson et que tu es d'accord de l'épouser, tu prends ceci et tu bois devant toute la population et le représentant du chef que je suis. Monsieur Ekoka Wilson, si tu es engagé à épouser Ngassa, tiens ce vin et bois-le devant toute la population de Sokoundé et le représentant du chef que je suis.